Introduction message président Russell Marion Nelson. L'année 2020 te maquine parce qu'elle te porté en pile gros difficultés. Découragement, désespoir et doute te rentré dans en pile monde. À cause en pile monde qui te victime et en pile matériel qui te perdit à cause pandémie COVID-19 là. C'est peut-être ça, tout autant Noël là a rapproché, en nous développer capacité pour contempler avec la joie ça que nous te recevoir, au lieu pour nous seulement rester triste pour ça que nous te perdit yo. Et pour que spécial ça, encouragez-nous pour nous compter bénédiction yo que bon Dieu te fait nos cadeaux. En même temps, pour nous joindre opportunité pour bailler un petit crasse dans l'immédiat nous. Et pour que spécial ça, encouragez-nous pour nous compter bénédiction yo que bon Dieu fait nos cadeaux. En même temps, pour nous joindre une opportunité pour bailler un petit crasse dans l'immédiat noir avec l'autre monde et puis éclairer la vie. Dans la façon ça, pendant que nous partageons l'immédiat noir, nouveau étoile ça brille dans nous-mêmes qui te mené avec croyance fidèle dans une étape dans Belen pour plus passer 2000 années pendant qu'il a annoncé naissance Jésus. Je dis, l'immédiat ça fait nous cadeau une espérance qui renouvelée. Même dans moment épreuve avec difficulté yo. En tant que serviteur bon Dieu avec témoin lumière qui éclaire monde là, Russell Marion Nelson, prophète et puis président de l'église Jésus-Christ pour Saint Dernier Jour yo, partager un message l'espoir avec soulagement pour tout monde avec bonne volonté, sans distinction race ni nationalité, tradition, la foi. Il fait ça dans l'esprit fraternité avec solidarité qui doit régner parmi toute l'humanité. Comme ça, ou pensez que li pas nécessaire pour nous égal pour vignon. Avant ministère, il était exercé médecin pour presque 40 années en tant que chirurgien cardiovasculaire exceptionnel qui fait nol dans monde là. Russell Marion Nelson a gagné opportunité pour garder que monde pendant et puis pas d'yo. C'est pour ça, il voulait partager ça qui t'a capable yon remède qui gagne effet rapide et puis qui dira pour bagay mal yo qui affecte que moun yo pendant temps ça qui gagne toute difficulté ça yo. Que nous recevoir avec attention parole président Russell Marion Nelson. As a doctor, I know the value en qualité de médecin, je connais la valeur d'un bon traitement. Mes chers amis, je vais donc prescrire deux activités qui nous aideront à goûter au pouvoir guérisseur de la reconnaissance. Au cours de mes 96 années de vie, j'ai vu la Grande Dépression, une guerre mondiale, la montée du terrorisme, la faim et la pauvreté dans le monde entier. J'ai aussi été témoin des débuts de la navigation spatiale, de l'Internet, de progrès de la médecine en abondance et d'innombrables autres découvertes qui m'enchantent. Avant mon ministère, j'étais chirurgien cardiovasculaire et thoracique. J'ai passé de nombreuses heures dans des salles d'opération, interne en chirurgie. J'étais membre de l'équipe de recherche qui a développé la première machine cœur-poumon utilisée lors d'une opération à cœur ouvert sur un homme. Par la suite, j'ai eu le privilège d'aider à sauver la vie de centaines de patients. Malheureusement, j'en ai vu d'autres mourir malgré mes efforts acharnés. En qualité d'homme de science et d'homme de foi, la pandémie mondiale actuelle a été source de grandes préoccupations pour moi. L'homme de science que je suis reconnaît le besoin crucial d'empêcher la propagation de l'infection. Je rends aussi hommage aux services dévoués des professionnels de santé et je déplore les bouleversements causés par la COVID-19 dans la vie de nombreuses personnes. Cependant, en tant qu'homme de foi, je considère la pandémie actuelle comme un mal de notre monde parmi tant d'autres, tels que la haine, les troubles civils, le racisme, la violence, la malhonnêteté et le manque de courtoisie. Des scientifiques et des chercheurs compétents œuvrent diligemment pour fabriquer et distribuer un vaccin contre le coronavirus. Mais il n'existe ni médicaments ni opérations qui puissent soigner les nombreux maux spirituels que nous rencontrons. Toutefois, il existe un remède. Ce remède peut sembler surprenant parce qu'il va à l'encontre de notre intuition naturelle. Pourtant, ses effets ont été confirmés tant par des scientifiques que par des hommes et des femmes de foi. Je fais allusion au pouvoir guérisseur de la reconnaissance. Le livre des psaumes est rempli d'exhortations à exprimer de la reconnaissance.
Voici trois exemples. Il est beau de louer l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon. Allons au-devant de lui avec des louanges. Jésus-Christ exprimait souvent sa reconnaissance. Avant de ramener Lazare à la vie, avant de multiplier miraculeusement les pains et les poissons, et avant de donner la coupe à ses disciples lors de la dernière scène, le Sauveur a prié et remercié Dieu. Il n'est pas étonnant que plus tard, l'apôtre Paul ait déclaré « Rendez grâce en toutes choses ». Au cours de mes 9 décennies et demie de vie, j'en ai conclu qu'il vaut bien mieux compter nos bénédictions que raconter nos problèmes. Quelle que soit notre situation, montrer de la reconnaissance pour nos privilèges est un remède qui agit rapidement et dont les effets spirituels sont durables. La reconnaissance nous épargne-t-elle la peine, la tristesse, le chagrin et la douleur? Non. Mais elle nous apaise. Elle offre une meilleure perspective du sens et de la joie même de la vie. Il y a près de 16 ans, ma femme Danzel et moi étions assis sur le canapé, main dans la main, pendant que nous regardions la télévision. Tout à coup, elle s'est effondrée. J'étais bien formé pour soigner ce qui lui a coûté la vie. Cependant, je n'ai pas pu sauver ma propre femme. Elle et moi avons eu la bénédiction d'avoir 9 filles et un fils. Tragiquement, le cancer m'a pris 2 de ses filles. Aucun parent n'est préparé à perdre un enfant. Pourtant, malgré ces expériences difficiles et d'autres encore, je suis incroyablement et éternellement reconnaissant pour tant de choses. Je suis reconnaissant envers Dieu pour près de 60 ans de vie commune avec Danzel, pour une vie entière d'amour, de joie et de souvenirs précieux. Je le remercie pour ma femme Wendy, que j'ai rencontrée après la mort de Danzel. Elle remplit maintenant ma vie de joie. Je suis reconnaissant envers Dieu pour les années que j'ai vécues en compagnie de mes 2 filles décédées. Mon cœur de père fond quand je vois à quel point leurs enfants et petits-enfants leur ressemblent. Nous pouvons tous être reconnaissants pour les beautés de la terre et la majesté des cieux qui nous donnent une petite idée de l'immensité de l'éternité. Nous pouvons être reconnaissants pour le don de la vie, pour notre corps et notre esprit extraordinaire qui nous permettent d'apprendre et de progresser. Nous pouvons être reconnaissants pour l'art, la littérature et la musique qui nourrissent notre âme. Nous pouvons être reconnaissants pour la possibilité de nous repentir, de repartir à zéro, de réparer et de forger notre caractère. Nous pouvons être reconnaissants pour notre famille, nos amis et nos êtres chers. Nous pouvons être reconnaissants pour l'occasion d'aider, de chérir et de servir notre prochain, ce qui donne tellement plus de sens à la vie. Nous pouvons même être reconnaissants pour nos épreuves, grâce auxquelles nous apprenons des choses que nous ne saurions pas autrement. Par-dessus tout, nous pouvons remercier Dieu. Il est le Père de notre esprit, ce qui fait de nous, des frères et des sœurs, une grande famille mondiale. En qualité de médecin, je connais la valeur d'un bon traitement. Mes chers amis, je vais donc prescrire 2 activités qui nous aideront à goûter au pouvoir guérisseur de la reconnaissance. Premièrement, je vous invite, pendant les 7 prochains jours, à faire des réseaux sociaux votre journal de reconnaissance. Chaque jour,
Parlez des choses et des personnes pour lesquelles vous êtes reconnaissant et expliquez pourquoi vous l'êtes. Au bout de 7 jours, voyez si vous vous sentez plus heureux et plus en paix. Utilisez le hashtag « Rendre grâce ». Tous ensemble, nous pouvons inonder les réseaux sociaux d'une vague de reconnaissance qui atteindra les 4 coins du monde. Peut-être que grâce à cela, une partie de la promesse que Dieu a faite à notre père Abraham concernant ses descendants s'accomplira. Toutes les familles de la terre seront bénies. Deuxièmement, unissons-nous en prière quotidienne de reconnaissance à Dieu. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples à prier, d'abord en exprimant leur reconnaissance à Dieu, puis en le sollicitant pour les choses dont nous avons besoin. La prière précède les miracles. Dans cet esprit, je voudrais maintenant offrir une prière en faveur du monde et de tous ses habitants. Pendant que je prie, j'espère que vous vous sentirez poussé à faire de même, à déverser votre cœur en remerciement pour les bénédictions innombrables que Dieu vous a données et à le supplier de guérir nos cœurs, nos familles, nos sociétés et le monde en général. Notre Père Céleste, nous te prions humblement en tant que passagers sur ta planète Terre. Nous te remercions pour la vie et tout ce qui la soutient. Nous te remercions pour les beautés de la Terre, pour l'ordre dans l'univers, pour les planètes, les étoiles et toutes choses d'importance éternelle. Nous te remercions pour tes lois qui nous protègent et nous guident. Nous te remercions pour ta miséricorde et ta protection bienveillante et aimante. Nous te remercions pour notre famille et nos êtres chers qui remplissent notre vie de joie. Nous sommes reconnaissants de toutes les personnes qui s'emploient à lutter contre la pandémie de COVID-19. Accorde-leur, s'il te plaît, ta protection et ton inspiration. Veuille nous aider à nous débarrasser de ce virus qui a tourmenté tant de tes enfants. Nous te remercions pour les dirigeants des nations et les autres personnes qui s'efforcent de nous édifier. Nous prions pour être soulagés des conflits politiques. Veuille nous accorder un esprit guérisseur qui nous unira malgré nos différences. Veuille nous aider à nous repentir de notre égoïsme, de notre méchanceté, de notre orgueil et de tous nos préjugés, afin que nous puissions mieux nous servir et nous aimer les uns les autres en tant que frères et sœurs et enfants reconnaissants. Nous t'aimons, notre cher Père, et prions pour que tes bénédictions reposent sur nous. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.